Ouais, pas de soucis, on y va. Allez, c'est parti. سعداء جدا اليوم في استقبال صديقنا الفنان اللي بحافه اللي مشي تحت غدوه تعرفون في غدوه انطلاق القمه الفرنكفونيه وبطبيعه الحال مش يكون حفل كبير في المسرح اللي تم انشاؤه خصيصا لهذا الحدث عرض مش يكون مانيش باش نقول لكم بالضبط شنو خاطر انا نعرف بعض الحاجات ولكن نخلي امين يعطيكم اكثر تفاصيل حول خصوصيات هذا العرض. مرحبا بكم. مرحبا بكم الكل، انا فرحان وفخور برشا اني موجود في بلادي. سي اون شونس دو بوفوار فيغ سو كونسير. باش نتكلم شويه بالعربي وشويه بالفرنسي، ما كنت حاب نتكلم برك بالعربي ما نسالش باش نتكلم برك بالعربي. جو في فيغ كوم جو سون. Je suis très chanceux, très fier d'avoir la confiance de l'organisation, des gens du ministère de la Culture, de l'organisation de la francophonie, d'orchestrer et de diriger artistiquement ce concert. C'est un concert que j'ai voulu riche de la diversité de la francophonie, c'est-à-dire que certes, la francophonie, le français, la francophonie, ça représente une langue, mais pas que, ça représente une culture. C'est une culture qui intègre beaucoup d'autres cultures. Et à partir de ce compte, enfin, à partir de cette volonté-là, l'art, il est à l'image, c'est à l'image de cette diversité, de cette richesse inclusive. Donc du coup, l'art, en fait, il y a un talent. Un groupe emblématique, Angelo Alio Ostagema, c'est un groupe emblématique qui porte en lui toute cette culture de la musique djerbienne. Howali Abdarad, où l'orchestre symphonique, petit à petit, va prendre place, musicien par musicien, pour prendre le relais de Ostagema et emmener le concert dans une universalité qui est à l'image de cette. De cet événement. Le concert aussi, j'ai la chance d'être accompagné par l'Orchestre symphonique tunisien qui représente fièrement cette jeunesse tunisienne. C'est incroyable, toute cette énergie qu'on voit à l'Orchestre symphonique tunisien. Aussi, il y a beaucoup de guests, des musiciens qui sont issus chacun d'un pays francophone différent. Lionel Suarez, c'est un des plus grands joueurs d'accordéon français. Jake Moussa, c'est un joueur de kora du Mali. Skander Benabid, de Tunis. Kassim Benmelou de Sionai, de Tunis. Et puis, on a la chance d'avoir Dali Shpil. C'est un chanteur qui a un talent incroyable. Je suis tellement touché à chaque fois qu'il chante. C'est une voix très émouvante. De Eyed Anmouche. De Lina Chamanienne, qui est aussi à l'image de cette francophonie, qui est arménienne, syrienne et française, et qui va chanter dans les trois langues. Et puis Angélique Kidjo, qui n'a pas besoin qu'on la présente. Angélique Kidjo qui vient du Bénin, mais c'est une star internationale. Hier, on a fait les premières répétitions, les deux premières notes qu'elle a envoyées, c'était une puissance incroyable. Angélique, elle a fait plein d'autres sommets, elle a fait l'ouverture des Jeux Olympiques, je pense qu'elle est nominée au Grammy Award. Là, on a eu la nouvelle hier ou avant-hier. Donc voilà, c'est le Habib Nkoulou, le roi Arf Fali Bacha. Arf, je questionne tous les styles de musique, ça va de. C'est pas purement symphonique uniquement, c'est très riche. C'est une synergie, c'est un mix, il y a de toutes les couleurs. C'est très coloré. Voilà. Si vous avez des questions. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, l'art, Hadafi, Shah, Moussa Shahidi, entre d'abord
travailler avec Stage Amara, venir ici faire des repérages, écrire l'histoire. On n'est pas uniquement dans la musique. C'est important de raconter une histoire aussi. C'est important de créer une narration. Donc imaginer l'histoire, puis écrire la musique, puis choisir les morceaux, puis parler avec les musiciens, travailler avec la vidéaste aussi, Lydia Pradel, qui va orner la partie vidéo. Travailler avec le scénographe, que je tiens aussi à remercier Samuel Aratus, qui a fait un grand travail, un grand travail sur terrain, parce que ce genre de concert, ça, c'est des concerts très 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 difficiles à monter. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, c'est pas uniquement de la musique. Il y a des éléments de sécurité, il y a des éléments il y a énormément de préparation, et je tiens à vous remercier parce que c'était moi-même sur place. Il y a une autre personne aussi qui a été clé dans ce spectacle, c'est Ahmed Arine, qui a aussi quitté l'ancien directeur de Carthage, et puis qui a un très très grand ami à moi, et je tiens à le remercier parce que c'est lui aussi derrière tout ses débuts en conseil artistique. Il y a d'autres personnes qui ont donné beaucoup d'énergie aussi. Non, il n'a pas joué avec nous, mais il est de tout cœur avec nous. Et puis il a été le conseil artistique derrière le concert. Il y a des gens aussi qui ont beaucoup œuvré avec énormément d'énergie, énormément d'amour et énormément de dévotion. Je tiens à remercier Madame Monia Bonif qui était avec nous. Elle a donné toute son énergie pour que ça se passe. Donc voilà, c'est vrai qu'on a toujours tendance à voir les artistes qui sont sur scène, mais dans ce genre d'événement, il y a énormément de gens derrière qui, sans eux, ces artistes-là ne peuvent pas se produire sur scène. Et du coup, je tiens vraiment beaucoup à vous remercier tous. Alors pour RTCI, d'abord merci, et comment vous dire combien on est fiers de vous et de tous les succès que vous remportez, parce que ce sont des succès qui rejaillissent sur la Tunisie. Voilà, on vous suit de loin et on est particulièrement heureux et touchés de vous voir là. Alors en général, donc vous vous consacrez presque exclusivement à la musique de film et ou avec brio. Encore félicitations pour tous les prix remportés. Vous donnez peu de concerts. Et là, ce que j'aurais aimé savoir, c'est comment a été conçu ce spectacle qui va raconter une histoire. Et vous l'avez dit, vous allez commencer avec un groupe emblématique de Djerba, puis les musiciens de l'orchestre symphonique vont rentrer petit à petit, un petit peu à l'inverse de la symphonie de Haydn, la symphonie des adieux, où il quittait la scène petit à petit. Et puis après, comment avez-vous choisi les voix solistes? Vous avez parlé d'Angélique Kidjo, vous avez parlé, voilà, les voix tunisiennes et tout. Comment ça s'est fait? Est-ce que c'était une proposition justement des organisateurs? Est-ce que c'est vous qui avez sollicité ces voix? Racontez-nous un petit peu la genèse de ce spectacle. Alors ce spectacle, je l'ai voulu, comme je vous l'ai dit, à l'image de cette culture qui est inclusive en fait. C'est une culture qui jaillit sur notre culture, mais c'est aussi une culture qui inclut notre culture. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'influence dans les deux sens. Et c'était ça, ma volonté première, c'était de montrer cette mixité de culture à l'intérieur d'une seule culture. Partant de cette idée-là, j'ai pensé à je me suis dit comment est-ce que ça pourrait, quel artiste pourrait prendre ça, représenter cette richesse. Donc Angélique Kidjo, c'était le haut du panier, puisque d'abord par rapport à son engagement social, son engagement humain, son engagement politique, c'est pas juste une artiste. Qui fait de la musique. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus exister que dans cette société, dans la société mondiale, enfin dans le monde, on ne peut plus juste faire acte de passage pour faire sa musique. Non, c'est très important d'être engagé. Donc pour moi, Angélique reflète ça. Et puis Lina aussi, Lina parce que. De par son exil, de par tout ce qu'elle a vécu, elle a cette richesse de langue. Elle parle trois langues qui sont. Et ça aussi, c'était important pour moi. Après, en Tunisie, ce qui était super important pour moi, c'était de donner de la chance aux jeunes voix tunisiennes. Donc, j'ai essayé de chercher quelles sont les voix qui peuvent. Et aussi qui représente le patrimoine, parce que
Moi, je ne voulais pas juste des voix qui vont faire, qui vont chanter, je ne sais pas, des médias commerciaux. C'était super important d'avoir des voix qui ont en eux, qui incarnent en eux, le patrimoine tunisien. Et ça, je pense que Dany Spiel et Aya Darmouche, c'est parmi les deux, comment dire, cette jeunesse tunisienne qui est fière de ses origines, qui est fière de son patrimoine, et qui le revisite avec beaucoup de goût, avec beaucoup de sincérité, et sans tomber dans un côté... Il y a des groupes emblématiques qui font du folklore en Tunisie. Stajama, et c'est pour ça que je tenais à ça. Ces deux fois, ils prennent leur patrimoine, ils le revisitent avec un regard moderne, avec beaucoup de subtilité, avec une intimité. Enfin, c'est très beau ce qu'ils font, et ça m'a touché. Ce regard moderne des jeunes qui vont puiser dans le patrimoine tunisien, qui vont puiser dans les vieilles chansons de Saliha, de Shirafeli, de toute cette culture extrêmement riche, qui vont mettre ça au goût du jour avec des instruments universels, avec beaucoup de goût. Et ça, j'étais très très touché à cette approche. Et je me suis dit, ça représente ce que je veux, ça représente ce que j'aimerais faire. Et du coup, c'est comme ça que c'est venu. Oui. Est-ce que vous considérez le projet comme faisant partie de ce qu'on appelle la musique world? Musique world, j'aime pas beaucoup la connotation world music ou musique ethno, parce que je trouve que ça sépare la musique dite savante et la musique world qui va être... Moi, je pense que la musique, c'est la langue la plus inclusive du monde. Il n'y a pas de barrière pour moi entre musique world et musique savante, musique classique. C'est de la musique riche, j'ai envie de dire. Il y a toutes les couleurs. C'est vraiment... il y a toutes les couleurs, parce que quand on voit le Boléro de Ravel avec la voix de Angélique Kidjo, avec Ayan Arnouche qui chante Mélous, avec... Jenny Moussa qui joue de la cora, l'orchestre symphonique, ça n'a pas de barrière. C'est pas de la world music uniquement, parce que ce qu'on appelle world music, ça serait, je sais pas, un instrument en gros, world, et avec des batteries, tout ça. Non, c'est vraiment vous savez quoi, c'est comme si un chef de cuisine allait revisiter des plats en prenant des épices de partout. Il va prendre le couscous tunisien, il va mettre des... je ne sais pas quelle sauce du Japon. C'est vraiment une cuisine très très riche, mais c'est pas une cuisine en Europe, c'est pas de la fusion. Et les gens, quand ils vont manger, ils vont se dire, ah, je connais ce plat, mais je ne le connais pas avec cette fraîcheur-là, je ne le connais pas avec ces épices-là, je ne connais pas avec... C'est ça que je veux, c'est qu'on puisse savourer ce qu'on va manger, ce qu'on va entendre. Sans se poser des questions, ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là, qu'on puisse être emporté par la musique. Parce que je pense que quand la musique est là, tout d'un coup, il n'y a plus d'explication cérébrale, il n'y a plus d'explication intellectuelle. Elle nous touche ou elle ne nous touche pas. Et c'est l'émotion qui va parler, je pense. Je pense qu'il y a dans les 40 musiciens de l'orchestre symphonique, ou un peu plus que 40, dans les 40, et puis il y a quelques guests qui vont venir et repartir, et puis il y a des chanteurs. Et puis par rapport aux musiques de films, par rapport au cinéma, parce que c'est là que je viens, c'est ma passion première, enfin, travailler dans le cinéma, c'est super enrichissant dans le sens où on est toujours amené à raconter quelque chose. C'est vrai que quand on est musicien, souvent on pense à la musique, on oublie l'histoire derrière, on oublie qu'au final, ce qui va toucher les gens, c'est ce qu'on va raconter. Et c'est peut-être ça le pont entre un carrière de cinéma et ce concert-là. Et puis il y a pas mal de titres aussi qui sont revisités, qui viennent de Timbuktu, qui viennent des Harkis de Philippe Vaughan qui vient de sortir, qui vient de l'encadrement égyptienne aussi, qui vient
et plein de projets que, dans le cinéma que j'ai fait. Donc il y a un peu tout ça, il y a un peu de tout ce que j'ai fait. Voilà, c'est un peu un... Et des morceaux de votre composition aussi. Oui, oui, tout, tout est de ma composition. Sauf le Voyage de Ravel. Pourquoi le Voyage de Ravel? Parce qu'en fait, c'est la musique la plus jouée de cette culture francophone dans le monde, le morceau classique le plus joué. Et j'ai trouvé ça super, Maître Negus, qui est une chanson du patrimoine, qui va être chantée par Vanouche, Angélique Kidjo qui chante en faux, le boléro de Ravel, avec Vanouche qui chante, on peut le dire, c'est un dialecte, c'est le dialecte kéfi. Negus, c'est un peu... J'ai trouvé ça, à chaque fois je suis touché de voir le boléro qui commence, qui disparaît, Negus qui reprend, le boléro qui reprend dans ce crescendo-là, et on finit tous les deux entre Angélique et Eya, ensemble, main dans la main, qui chante... Connectivité. Connectivité, ouais, voilà, c'est ça. Le choix du boléro, c'est vous qui l'avez... Oui, ouais, ouais. Oui. Pour quelle raison? Parce que c'est un peu, le boléro, ça a été joué... milliers de choses. Tout à fait. Ça m'a rendu différent. Ouais. Ça m'a rendu différent. Et puis, pourquoi? Pardon, pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, il y a un critique très connu qui a fait un encensement du mot Boléro de Ravel. Je pense que toutes les 10 minutes, il est joué quelque part dans le monde, Boléro de Ravel. Et puis, c'est une œuvre aussi qui a. Dans elle, il y a beaucoup de métissage. C'est un rythme espagnol avec une orchestration à la Ravel, donc assez française du début du siècle. Et puis il y a un côté très latin dans le boléro de Ravel. Et quand j'ai essayé de décortiquer le rythme, les rythmes latins, c'est des rythmes africains aussi, quelque part. Ça vient de là, espagnol, mais quand on le décortique un peu, il y a ce groove un peu. C'est vrai qu'il est fait avec beaucoup de. C'est fait avec. C'est une interprétation très. Classico-savante de la musique latine. C'est clairement ça. Mais je pense que tout ça s'appuie dans le même panier. La musique espagnole a été beaucoup inspirée, influencée par la musique arabe. Et elle a aussi influencé la musique arabe. La musique arabe, elle puise beaucoup via l'Afrique du Nord des influences de la musique africaine. Tout ça, Moi, je pense que, en fait, et Angélique l'a dit hier, quand on commence à mettre des limites de la musique, c'est vrai, et c'est normal qu'on mette des cases, etc. C'est comme ça qu'on puisse aussi, quelque part, théoriser la musique. Mais il n'y a pas de limite, je pense. Surtout aujourd'hui, dans ce monde connecté, où tout peut se faire. Et c'est ça que je défends. Merci. Ce que vous dites est trop éclectique. Peut-être. Peut-être. Mais encore une fois, je pense que la musique, c'est l'émotion. Donc quand on le voit sur scène, certes, on va essayer de le décortiquer, mais vous allez voir que c'est un pari. Espérons. Merci. Une dernière question, un peu plus peut-être personnelle, mais je voulais savoir, parce que vous avez parlé de culture francophone qui intègre d'autres cultures, qui parle à d'autres cultures, et je voulais savoir la difficulté de l'exercice par rapport, comment vous l'avez ressenti, quelles étaient les choses, on va dire, les plus difficiles au moment de mettre en place, justement, de confronter le kefi, le nagouz avec le boléro, et finalement, qu'est-ce que ça vous a apporté humainement de faire ça? Est-ce que ça vous a sorti un petit peu de votre zone de confort, cet exercice? Et puis, est-ce que finalement, ça pourrait être l'exercice qu'on pourrait transposer dans d'autres domaines? Puisque l'art, si c'est faisable, on se dit si c'est faisable, on peut appliquer ça ailleurs. Enfin, j'ai posé plusieurs questions. Mais... Tout à fait. Alors, je vais revenir à la première question, la difficulté de l'exercice. Il y a des choses des fois qui vont sans qu'on les calcule beaucoup, en fait. Des fois, il y a beaucoup d'intuition, je pense, dans la musique.
Et cette impulsion, la musique, quand ça marche, ça marche. Il n'y a pas, de... Quand on met play, elle est là ou elle n'est pas là. Donc, je me suis posé la question, c'est quoi les œuvres emblématiques des compositeurs français, et c'est quoi des choses qui me touchent beaucoup dans le patrimoine. Et j'ai aussi écouté les chanteurs. Qu'est-ce qu'eux, ils aiment chanter? Qu'est-ce qu'ils aiment incarner? C'est un peu comme ça que c'est venu. Je sais que Angélique, elle aime chanter le boléro. Je sais que elle adore chanter Mégouz. Je me suis dit, bah, ça se copie tellement bien. C'est comme si c'était un cadeau du ciel. Et puis, il fallait juste mettre en place les rythmiques et faire de sorte que la fusion se place. Et puis, la question de l'art, en général, ce métissage, évidemment, qu'il est transposable ailleurs. Moi, je vois aujourd'hui des créateurs tunisiens du monde de la mode qui font des choses incroyables, qui vont s'inspirer aussi du patrimoine et qui vont le revisiter avec beaucoup de modernité. Pareil dans le cinéma tunisien, des réalisateurs, enfin, j'ai eu la chance beaucoup de travailler avec Kawsel Benhamnaya, avec ce film qui a représenté historiquement les Oscars, l'homme qui a vendu la Tunisie aux Oscars, avec une nomination, un homme qui a vendu sa peau, Mohamed Bentaya, Mehdi Balsa, Elie Chili, dont j'ai signé dernièrement sous les figues, Mehdi Balsa avec un fils, Mehdi Amid avec Streams, etc. C'est des films dont j'ai eu la chance de signer la musique et qui représentent la nouvelle génération du cinéma tunisien, qui eux aussi puisent dans des sujets de société, ils les revisitent avec beaucoup avec un retentissement universel. Et c'est pour ça qu'ils ont cette explosion. Je pense aux gens aux artistes, et beaucoup d'artistes vidéastes aussi, et Sid, qui revisitent incroyablement la richesse, la calligraphie. Et je pense que c'est dans cette mouvance-là que quelque part, j'ai envie de m'inscrire. Et cette volonté-là de défendre aussi bien notre culture et de parler avec une langue universelle. Parce qu'au final, si on se cloître uniquement dans notre culture, en refusant quelque part de s'ouvrir à d'autres cultures, c'est beaucoup plus difficile de parler à l'autre. Donc il faut quelque part utiliser aussi une langue que les gens comprennent, et c'est comme ça qu'on peut faire manger notre culture aussi. Merci. 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 C'est une excellente question, merci de l'avoir posée. J'espère vraiment. Ah, il y a une réponse. La réponse sera retransmise en direct sur l'ordinateur à 19h25. Non, pas demain, c'est pas la faites passer le message parce que vous aussi, journaliste, vous pouvez, en le disant, vous pouvez aussi faire de sorte que ça se fasse. Moi, bien sûr, je vais tout faire pour que ça existe, parce que, très honnêtement, je pense que des cancers comme ça, on n'en a pas toutes les semaines. Et puis, j'ai envie de dire que c'est des événements qui peuvent aussi donner, faire naître des vocations chez les jeunes, chez la jeune génération. Ça peut donner... Ça peut faire rêver des gens dans le sens positif, dans le sens des jeunes qui veulent aussi faire de la musique, qui veulent aussi faire de l'art, etc. Et je pense que c'est des cancers qui portent en eux fortement ce message. J'espère qu'ils vont exister ailleurs qu'aujourd'hui. Essentiel de votre côté, vous comptez. Ah oui, bien sûr. De toute façon, s'il est transcrit, moi, je voudrais pour qu'il soit quelque part sur Internet.